Je vois un truc à travers le miroir. Je crois que je vois sa vue. Tiens, prends le miroir. Oh, putain. Je crois que je vois ce qu'elle voit, non? Bah elle descend la cage des... Je veux te faire attraper. Je veux te faire attraper. Là on a ça. Allez, maintenant on connaît les items. C'est quoi celui-là? Ah, c'est la fête. Allez, maintenant on connaît. C'est quoi ça? Éloignez-vous. Ouais, ouais. Je sais pas trop. Ah, c'est peut-être pour partir en fait, démarrer le camion. Ouais, je pense. Alors on a vraiment beaucoup, regarde, d'items, hein, en tout cas. On a beaucoup d'items. Et en plus de ça, nous avons des quêtes. Attraper un fantôme, allumer toutes les bougies de la maison, 100 balles. Ouvrir tous les robinets à la maison. Eh ben dis donc. Éviter 3 fois une attaque avec la statuette du Christ. Utiliser le parfum 3 fois. On peut pas allumer dans ce jeu. On peut pas avoir 2 items en main en même temps. Ah, oh non, il nous faut 2 items en main. Attends-moi. Non. Ça veut dire qu'il y en a un qui va devoir avoir un truc en main pendant que l'autre aura autre chose. Enfin, genre un qui va devoir éclairer, tu vois. Ah non. Je pense, dans ce jeu. Ah non, mais ça va me faire très peur. Attraper le fantôme, allumer toutes les bougies. Hein. Mais par contre, dans le tuto, ils nous apprennent les items. Ok. Ok, donc ça doit être les items plus chers, donc un peu plus vénère. On a zéro thune, encore qu'on en revoit. Ou on a pas de thune. 250 balles la caméra détecteur de mouvement. Non, mais juste, moi je. Question bête, comment ça marche? Ah, c'est là, avec Tab. Tab, ok, il va falloir tester le thermomètre a priori, les températures. Ah en ouais. Fonction de ce que c'est, ça va pouvoir être. Ah oui, d'accord, ça éliminera au fur et à mesure. Humeur, calme, mais... alarmé, agressif ou à la chasse. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'âge? Ancien, moyen, senior, young. On s'en fout. Bah, l'âge, oui, comment on. Alors, c'était avec. Et ben, y a un item. L'âge, on le connaissait avec ça là. Le truc attraper jaune, le boîtier fantôme. Jaune. Ah, pour l'attraper, il faut avoir tout coché avant, ok. Encyclopédie. Humeur. Donc, 4 types d'humeur. Calme, alarmé, agressif et à la chasse. Les fantômes, selon leur humeur, ont une activité et une agressivité différentes. La poupée vaudou et la radio peuvent vous aider à identifier l'humeur. Ok, bon, on va y aller progressivement, on verra bien, je pense. Hein. Ouais, mais je pense. Mais concrètement, que... faut faire tous les items de gauche, hein, je pense, pour avoir les infos. Ça va nous permettre d'éliminer. Donc, jusqu'à avoir un seul type de fantôme. Et ensuite, l'âge et l'humeur, il faudra des items en particulier. Dès qu'on a tout coché, on peut faire attraper le fantôme pour qu'il nous donne, je pense, la méthode à suivre pour l'attraper, je pense. Non mais attends, regarde les photos. Comment je décoche des trucs? Mais... Moi je décoche. Comment ça, comment tu décoches? J'ai cliqué sur des trucs à droite, j'arrive pas à enlever, c'est pas grave. Ah oui, je vois, pareil. Bon, quelle photo? Mais là, ouais. Regarde celle du milieu, elle me fait peur. Oh, tu vas voir qu'avec la chance qu'on bon, a, on va tomber sur celle du milieu. Alors, bah écoute, thermomètre, bah prends le thermomètre, moi j'ai pris le capteur CE. Merde, fais tomber le... 1, 2, 3 ou 5. Ah, thermomètre. Attends, red, 3. Parce qu'il y a aussi des couleurs et des... Oh, non mais là c'est compliqué là. Ah, le red c'est le au milieu le truc. Ouais, c'est plus compliqué qu'un phasmo là-dessus. Ah. Ok. Ouais, c'est quoi ce bruit? Regardez. Quel bruit? Il n'y a pas eu de bruit. Bah, ça a sifflé. Alors par contre, ouais, c'est très très chiant, juste bah, pour l'éclairage, on va être obligé, je pense. On n'a pas une lampe posée là-bas. Bah, c'est que j'ai posé par terre, quoi, mais c'est tout. Sûr qu'il n'y a pas une touche, là, pour avoir la lampe en même temps, là, la face mort. Par contre, j'avais fait tomber un truc. Et voilà. Merde, ça commence. Ah oui, je le vois, je le vois. Attends, c'est pas ça, là? Ah, pas du tout, c'est un caillou. Ah oui, il y a un truc. Ah oui, c'est ça bon, ok. Attends, mais tu peux avoir combien d'items sur toi? Je sais pas. Parce qu'attends, faut que j'en prenne un autre dans ce cas-là. Ah mais tu peux switcher, ok, bah on switchera. Hein. Comment? Bah ah, molette. Non mais je croyais que tu pouvais, tu sais, mettre en deuxième main ou quoi. J'ai pas l'impression. Alors, je vérifie quand même, y a pas des, non, y a pas des tout de toute façon, il nous croit. Ah ouais, ça... du coup ça va être sombre. Tu sais que je me sens pas bien. Ok. Ça t'oblige à, en fait ça t'oblige à être dans le noir quoi, littéralement, ou en fait ça t'oblige à allumer des bougies. Bah là, si on a un briquet, on peut allumer les bougies, on peut allumer s'il y a, y a la lumière ou pas. Bah non, y'a jamais d'électricité dans ces jeux de merde. Si. Ah bon, bon. Oh putain, c'était quoi ça? Mais... c'est l'ampoule qui a lâché. Ah bah regarde, y'a le courant. Alors, elle marchait de base, hein, mais j'ai voulu te montrer que ça marchait en éteignant et en l'allumant. Ça a pas très bien marché. Okay, j'ai peur. Que tu veux... Je vais aller chercher un briquet au pire. Hein. Non, non. Tu restes avec moi. Hein. Oh, la télé est allumée. La télé est allumée. Oui, c'est... oui, enfin une petite... Une télé allumée. Ah, j'ai t'as jamais joué à... ma vie. Ah ouais? Comme ça? The Ring, hein. Ceux qui ont la ref, et c'est un pas en plus, cette télé de merde. Ouais, j'avoue. Je le sens mal, alors. Je le sens très mal. Mais une télé allumée, it's ok. Nous aussi, on regarde la télé. Moins 4 hein. Moins 4 Moins 4 hein. Ouais.
C'est froid par contre. Alors attends. Moins 14 ! C'était sûr ! Ok, EMF 4. Moins 16, elle est là, elle est là. Attends, il est pas monté à 5. Elle a fait tomber un cadre. EMF 5. EMF 5, mais on n'est pas monté dans le rouge sur l'aiguille du bas, je crois. Donc EMF 5, mais pas de rouge. Oh, viens voir, regarde. Il y a un truc ici, il y a un item qui... Regarde, regarde, là. Oh, ça brille. Interagir. Tu l'as pris ? Quoi ? Je vois un truc à travers le miroir. Je crois que je vois sa vue. Tiens, tu prends, prends le miroir. Oh, putain. Je crois que je vois ce qu'elle voit, non ? Bah, elle descend la cage des... Ah ah What ? Je me suis fait attraper ! Je me suis fait attraper ! Oh, elle me traîne dans la cage d'escalier ! Elle me... Tu veux voir ça ? Je me fais étouffer ! Je me fais... Mais c'est elle me sent pas bien, j'ai peur. Ah, j'ai peur, elle m'a mis dans une pièce, je sais pas où je suis. Oh, mais attends, c'est pas du tout la bonne sortie là où je suis à l'extérieur. Ah. Ah. Alors pour info, pour les viewers, on l'avait pas précisé, mais on peut prendre le vocal en jeu directement. Oh, je suis ça marche à la phasmo. Je suis sorti. C'est vrai que là on est que sur Discord pour l'instant. Ce sera pas plus mal pour la découverte à la limite. Viens. C'est vrai que pour l'immersion, c'est peut-être bien sinon de tester un moment. Emma, j'ai regardé le miroir, je l'ai vu descendre une cage d'escalier, j'ai vu ses mains m'attraper sur le visage comme Phasmo quand tu te fais choper, et là je me suis fait traîner comme une merde dans la cage d'escalier qu'il y a derrière là. Je me suis fait littéralement soulever dans une des chambres, elle a fermé la porte, en gueulant. Par contre c'est vraiment très perturbant ce que fait la poitrine de ton perso. Hein, c'est vrai vraiment. J'ai hâte de voir ta POV. Tu bouges pas, mais ta poitrine, on a l'impression que c'est elle qui me parle des fois. C'est, c'est trop bizarre. Hein. Vraiment, What ils ont fait des animations un petit peu trop poussées là-dessus. Hein. J'ai hâte de voir la POV parce que. Bref. Écoutez, je pense alors, que les gens ne vont pas regarder le gameplay avec ces conneries. Bon. Thermomètre, on est à combien là ? Alors, on est à moins 20, moins 10. Ah bah, moi, moins 5 plus 5. Ah moins 5 plus 5. À moins 5. Comment ça, moins 5 ? J'ai eu un moins 16 à un moment. Combien ? Moins 16 ? Ouais. Okay, bon, bah alors moins 20, plus... moins 20, moins 10. Voilà. Moi, le capteur, je pense qu'il faut mettre 5 pour le capteur CE. Ok. Mais attends, bah du coup. Bah, du coup, c'est la femme noyée. Noyée. Du coup, on n'a pas besoin d'empreintes ou quoi en fait ? Ah ouais, si jamais je rajoute des empreintes. Ah, t'as vu les empreintes ? Il y a tache de sang, il y a bébé. Instagram, ok. Compteur de particules, il y a quoi ? Ah, le compteur de particules, c'est ce qui va nous permettre de. Ah, de okay, définir donc les empreintes... son âge. Ok, donc en fait, thermomètre, capteur et empreinte, c'est pour savoir le type, mais empreinte, on n'a pas besoin puisqu'on a déjà trouvé le type, ok. Par contre, le capteur de particules, a priori, c'est ça, c'est pour l'âge. Ah, j'avais pas fait gaffe que tu pouvais descendre avec la molette. Ouais, j'ai besoin de voir ça aussi. Et la planche. La planche, ça va aussi aider à l'âge, je pense. Et la radio, ça par contre, ça va être pour l'humeur. Et la poupée pour l'humeur. Donc on a deux items pour l'âge maintenant et deux items pour l'humeur, en fait, qui nous restent. Oh, je l'ai okay. mal vécu, hein. Ah! Eh, on a un truc à faire. Ouais, pas oublié, ouais. Appeler John demain. Mais c'est vraiment ce qui est écrit. Non mais oui. Mais attends, on va pas faire n'importe quoi. Hein. On a quand même des items pour la repousser, pour machin ou quoi, on a plein de trucs. Ouais, hein, alors, vu comment elle m'a chopé, eh, je sais pas si elle m'a chopé par la tignasse ou si elle m'a chopé par le décolleté, parce que je peux te dire qu'elle a une force, Martine. Bah, je vais prendre du sel et dans le doute, je vais prendre ce sel-là un peu amélioré. C'est toi qui m'as donné ce miroir hanté là, à la con. Hein. Je sais pas jusqu'à combien je peux en avoir, mais 3 en tout cas, c'est bon. Alors attends, il faut qu'on a le truc d'âge, c'est ça là pour son âge. Alors il nous faut le compteur de particules et la planche spiritique. Mais sinon, pourquoi tu prends pas la. Attends, planche Ouija ? Parce que sinon, j'allais dire pourquoi est-ce que tu prends pas la spirit box pour entendre si elle pleure ou pas ? Tu sais, c'est ce qu'elle fait. Parce que ça, ce sera pour la prochaine étape, c'est juste pour faire dans ah, l'ordre. Ah, vas-y, vas-y. Bon bah écoute, moi j'ai le on truc peut de le l'âge. Faire, hein, juste pour faire dans l'ordre. Hein. T'as bien raison. Moi j'ai son âge. Donc prends la spiritique. Hein. Ça, moi je suis en son panique. Âge. Le truc ah, pour avoir... de particules. Ouais. Alors sachant que si t'es à... Bon, on verra après. On verra après à combien t'es. Juste la planche spiritique, il faut faire très attention. En gros, soit le pointeur va se déplacer d'un coin à l'autre apparemment, soit de façon chaotique, soit il bouge pas. Ok, elle est où là? Elle est là. La Martine? J'ai pris un peu de sel au cas où pour la dégager. Ah, oh, mais attends, si, j'ai encore son miroir de merde à elle! Oh là là, mais c'est hanté ça! Faut peut-être l'enlever! Mais. Bah écoute, tu voyais toujours dedans? Non, après elle m'a chopé par les cheveux, du coup j'ai plus rien vu. Ah. Attends, okay. Je jette cette merde. On y va mais tu veux pas ouais. que je prenne un autre item pour t'aider au cas où en cas de problème? Bah ouais, qu'est-ce que je peux lui jeter? Pour l'envoyer ou une grenade là? Ah ouais, c'est la grenade de la bonite, gold, là. J'ai pris.
C'est de l'eau bénite là-dedans, ouais. Ça, ce sera pour la capture. Ah, quoique, ça, c'est pour la flasher, mais vu qu'on veut qu'elle écrive, je pense pas qu'on veuille la flasher pour l'instant. Mais ça, c'est pour l'apaiser, par contre. Et ça, c'est pour l'apaiser, ouais. Ah non, mais alors, faut peut-être plus prendre le truc pour l'apaiser. Ouais, tu peux prendre ce truc-là ouais. pour apaiser, si tu veux. Comme ça, moi, j'ai pris le truc pour... j'ai pris le sel. Mais attends, mais peut-être que tu peux prendre un plus d'item. Je sais pas combien c'est le max. C'est vrai que j'ai pas essayé, attends. Non, c'est 3, t'as raison. Ok. Attends, viens, mets-le bah, mets-le là au milieu, au pire, le truc pour apaiser déjà. Allez, hop. Bah, écoute, on est à l'entrée, on va rester à l'entrée. Donc. Merde. Ça a pas l'air de marcher, c'est qu'elle est pas encore à côté. Ah, mais est-ce que dans ce jeu... S'il y a vraiment, rappelons-le quand même, il y a aucun tuto, il y a juste les explications de chaque item dans un lobby, mais il n'y a pas de tuto pour nous expliquer, donc là on découvre vraiment. Oh putain, Horse. Oh putain, la gourgandine. Ça va? 25%, 30. Oh, je l'ai perdu. Je sais pas si j'aurais pu lui lancer le sel pendant que... Oh, j'ai l'image qui se déforme. Mon image se déforme. Oh putain, je sens pas. Oh, hey, elle m'a parlé en détraqueur. Hein. Ouais, toi aussi. Ouais, par contre, sur le truc, il a fonctionné, non, pour la peser là-bas. J'étais à 80%. Je sais pas. J'ai eu trop peur. Je vais mettre une caméra. Une caméra, c'est bien de regarder à distance aussi. On n'a pas besoin d'être collé. T'as raison. Alors, c'est pareil pour les gens. Alors, sachez-le, on pourra peut-être l'acheter. Voilà, il y a des caméras aussi et des appareils photo à détecteur de mouvement. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont vraiment tout faire pour nous. Ils vont suivre le fantôme, ils vont prendre la photo tout seul et tout, c'est trop bien quoi. Mais bon, on n'a pas ça bien sûr. Tu sais que heureusement que t'es là pour... Attends, je vais prendre la grenade. Parce que moi je te jure, je la flash si elle te touche. Hein. T'as vu comment elle t'attrape? Ouais, j'ai vu, ouais. C'est comme ça juste. C'est dommage, j'étais à 90%, mais vu que mon image vacillait, je l'ai mal senti. Elle fait du bruit, je m'en vais. Je m'en vais aussi avec toi si elle fait du bruit. Elle fait du bruit, je sais pas en fait si elle peut nous tuer comme ça. Prends ou... la spirit box, voir si elle chiale ou pas. Attends, mais les caméras, on peut pas les voir? On l'a posé la caméra ou pas? Ah, éloignez-vous, c'est vert maintenant. Mais c'est ouais, vraiment pour partir, je crois. C'était vert tout à l'heure aussi. J'entends des bruits, mais la caméra, ouais, je l'ai posée. Pour pas moi, c'est des écrans plutôt, non? Je sais pas si c'est des écrans. Attends, faut peut-être. Ah, mais là, il y a des boutons. Oh non! Oh non, mais le. Tu sais combien ça coûte? Ah bah voilà. C'est bon. Ouais bah je vais reprendre un... Ah bah reprendre celui-là, celui de feu. 150 euros le sel de Guérande. Sans déconner. Encore plus vénère lui. Par contre on voit pas du tout la... Elle va les mettre partout. Ouais bah au cas où. On voit pas du tout la spirit. Tu... Hey bah toi t'as fini de charger ton truc ou pas? Non j'étais à 90, je me suis taillé. Non bah viens, il faut que tu le finisses hein, déjà, il faut qu'on ait l'info. Bah ouais. Attends mais bah moi... je vais prendre les prochaines infos mais en même temps au pire on regardera la spirit là-bas. Donc moi c'est quoi après? C'est... Ça fait peur ces jeux comme ça. Je sais pas pourquoi à chaque fois moi je pars dans des aventures de ce type. Ça ne fait pas sens. Hein. En vrai la poupée vaudou on va juste la mettre au sol. Hein. Parce qu'on verra si elle a fait s'élever ou si elle la jette. Et ouais. Ça nous donnera son tempérament. Et ensuite on prend la spirit et comme ça on entendra et on peut avoir toutes les infos. Après je suis pas sûr que ça marche. Oh 95, 100. Entre 100 et 500. Oh putain, elle chuchote. Nous, hein. Quoi? Mais tu l'as pas vue dans l'escalier? Non. Ok. Elle ressemble à quoi? Calme. Un peu une faucheuse. 100 pourquoi et 500, ça... tu m'as dit? Ouais. Donc elle est young ou moyenne. C'est la femme noyée, une faucheuse. Ouais, peut-être, ça reste cohérent. Hein. Alors attends, c'est dans quoi qu'on doit mettre? C'est dans le compteur de... Voilà, planche spiritique, ouais. C'était quoi? Déjà, je sais plus. Bah rien. Bah on sait pas encore. Ah, t'as vu, on a la caméra et ça vacille. Ah bah si ça vacille, c'est qu'elle est là. Attends, mais il y a un truc pour la voir. C'était quoi qui nous permettait de la voir? Il y a un item qui nous permet de la voir, on a vu dans le tuto. C'est le crucifix là, l'espèce de dague. Non. Ah, la non, dague. La dague, tu sais. Enfin... La dague, ouais, ok, mais on l'a pas la dague. Non, on l'a c'est pas. C'est un truc qui nous permet de révéler le fantôme. Après, il y a des trucs pour suivre les pas, mais je crois qu'on l'a pas non plus. Elle a la lampe UV qui est là. Ça c'est pour l'énerver ou la pousser. La lampe UV on en a pas besoin, c'est juste pour avoir des éléments supplémentaires. Bah prends le récepteur radio. Ça ce sera pour la capturer à la fin quoi qu'il en soit. Ouais mais attends parce que je voulais mettre la poupée vaudou avant. Ah oui c'est vrai, attends je prends le récepteur radio. Oh merde bah, c'est truc j'ai fait péter la grenade.
Oh là là. Ah bah ouais, mais bon, c'est mal foutu aussi, ça. Bon, je vais attendre que t'y ailles, parce que elle me parle, la dame, et bon. Mais elle me fait chier, elle me parle aussi, hein. Allez, viens, on y va. Je suis sûr que c'est le miroir, là. Attends, je vais lui balancer le truc dedans, là, vite fait. Oh, t'as vu? T'as vu? Ça l'apaise, c'est bien. Enfin, normalement, c'est censé l'apaiser, ce truc-là. Attends, je vais bouger un peu. Oh, elle bouge la Ouija. De façon quoi? Chaotique ou un angle? Ce que je regarde. Franchement, ça a l'air d'être d'angle en angle. Hein. C'est pas chaotique du tout, c'est tout droit ce qu'elle fait. C'est d'angle en angle. Ok, ça me dérange pas, un gameplay porte, moi ça me va très très bien. Les gens ne se rendent pas compte de l'investissement que je donne. Pour la première vidéo, pour la découverte, moi j'aimerais bien qu'on puisse au moins aller jusqu'à attraper le fantôme et voir ce que ça fait et comment ça marche. Je suis bien d'accord, on le bousille. C'est pour ça que je veux pas prendre de risques. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais jeter d'un coin à l'autre. Donc, l'âge moyenne. Maintenant, poupée vaudou, succès déverrouillé, lâche. Quoi? Quoi? J'ai un succès déverrouillé sur Steam qui s'appelle lâche. C'est peut-être parce qu'on reste trop à la porte. Je pense. Les empreintes, on s'en fout. Nadia, elle est là! Elle est là! Elle est là! Elle est là! Regarde, elle part dans le couloir! J'ai vu. Non, mais le récepteur radio, tu l'as dans tes mains? Par terre. Je l'ai. Il nous reste plus que ça? La poupée vaudou, elle a joué avec ou pas? On sait plus. Hein. Bah, poupée vaudou et récepteur radio. Soit élevé, jette le vaudou. Ok, vas-y, récepteur radio. Et la caméra, on voit pas le vaudou là, vraiment? Tu sais, je me sens pas bien. Oh là! Mais t'as vu des. Ouais, ouais. Pourquoi on voit pas. Oh! On verra, non? Mais c'est toi qui l'as bougé la poupée? Bah là, oui. C'est pour, ah putain, j'ai cru que c'était elle. J'étais en mode on tient quelque chose en là. En fait, je voulais le mettre devant la caméra, mais la on caméra. On dirait qu'on la voit pas. Si, la poupée elle est juste à gauche, non? Ah, t'as raison. Si, on la voit. Il y a juste à attendre. Mais est-ce que si on est ici, elle va pouvoir interagir avec la poupée qui est dedans? Enfin, si on n'est pas dedans, nous aussi. Bah regarde, elle apparaissait bien. Tiens! Oui, mais elle bouge pas là. Parce que ça se trouve, elle veut pas jouer avec. Madame est une dure à cuire. Par contre, le truc pour apaiser, il marche. Enfin, en tout cas, on le voit toujours fonctionner. Je sais pas s'il fonctionne bien. Mais... Bon, tu veux pas aller tester cette aspirine, si. Par contre? Si. J'attends là, je regarde si la poupée bouge. Moi. Ah bon? Bah oui, il faut bien que quelqu'un se dévoue. Hein. Je suis désolé, mais je me dévoue pour regarder la poupée. Je sais que c'est le rôle le plus compliqué. Mais... Je viens de voir ma POV sur le retour écran. C'est incroyable, je suis caché derrière mon micro. Je viens seulement de me rendre compte que depuis toute la vidéo, je suis planqué derrière le micro. Alors, attends, j'ai peur. On s'est... Quoi? Attends, me parle en fourche langue. Ouais, dis quoi? Je sais pas, je crois avoir entendu pleurer. Quand je suis rentrée, je crois avoir entendu. Mais je sais pas si c'était une porte ou si c'est qu'elle pleurait. Allez, montez la cage d'escalier. Oh, je me fais mal au crâne à gueuler comme ça. Mal au crâne aussi, t'inquiète. Non mais à peine je rentre, ça tremble de partout la caméra. N'interagis pas, ça peut être deux trucs éventuellement. Pleurer, ça peut être alarmé. Et s'il y avait rien, ça pouvait être alarmé ou calme. Ah, j'ai cru entendre le bruit de nouveau, donc c'était peut-être pas la spirit box que j'entendais. Je me sens pas bien. Hein. Ça peut être agressif ou ça. Ouais, donc on est obligé d'avoir les deux infos pour avoir quelque chose, quoi. Bon, mais il faut que tu ailles et que tu me dises. Mais si pourquoi elle fait quelque moi chose, hein. Prends la grenade ou. Je... Ouais, je moi, prends la grenade. Voilà. Je suis avec le sel de feu là. Attends, tu veux pas? Attends, quoi? Vas-y, deux secondes. Quoi? Juste. On a un briquet ou pas? Oui. Mais non, mais me dis pas, on a pas de briquet. Si, là, à côté de la lampe. Ah oui. Ok. Je vais allumer la bougie. Ça va faire quoi? Ah oui, ça l'apaise. On va créer une ambiance. Et nous, on y verra mieux. Tada! On y voit pas du tout mieux, en fait. Mon image, elle se floute! Moi aussi. Putain, faut qu'on sorte, on va se faire bousiller. C'est pour ça que je suis sorti. Mon image se floute quand même. Hein. Ouais, moi aussi. C'est bon. Wouh! Et t'as parlé ou pas, la dame? Mais non, elle parle pas, je sais pas ce qu'elle me fait. Elle parle en fourche langue, cette conne. Alors qu'à tout moment, si ça se trouve, dans ce jeu, on peut se faire manger aussi dehors. Hein. Arrête! Pourquoi tu dis des trucs comme ça? Je sais plus où aller, moi, maintenant! Non, mais va utiliser ta spirit, là. Tiens, vas-y, parle-lui.
Oui, mais s'il faut chasser après, ce sera à toi de le faire si je me fais tuer. Tiens, je regarde ce que j'ai. Une grenade, je te jure, je lui mets dans la tronche. Ouais, comme tout à l'heure quand ça m'a attrapé. Ouais, bah c'était un misclic. J'ai trop peur, il me fait peur ce jeu parce qu'on sait pas à quoi s'attendre. Il faut le garder dans les mains ou pas en fait? Oui. T'es sûr? Bah je crois. On l'entend moins si on l'a pas dans les mains. Ça chuchote. Oh putain. Alors sachant que dans ce jeu, à noter, il y a pas de vocal du coup. Alors moi j'ai un logo de micro qui est mute en bas. Ma caméra se brouille. Enfin, pardon, je me suis mal exprimé, mais il n'y a pas de vocal pour parler au fantôme en tout cas. Ah! Après, c'est bien, parce qu'au moins ça crée une identité propre au jeu plutôt que de copier-coller, tu sais, tous les milieux. Certains jeux, oui. Du Phasmo. C'est pas mal aussi. Ah, ça se brouille, hein, je sais pas quoi faire moi. Attends, elle est sur moi là. Non, mais je pense qu'elle aurait déjà. Voilà. Ça va? Ah, il y a eu un. Ah, elle est là! Il y a un petit bruit, mais je sais pas. La radio, est-ce que c'est possible qu'elle ne fasse rien? Non, elle est obligée de pleurer ou de gronder, on peut pas ne rien avoir. Bah, sinon, on avance un peu dans le couloir et j'ai ma grenade. J'y envoie une grosse grenade. La poupée, elle a et la torche bougé, hein. Tiens, prends la torche, comme ça on la crame aussi en même temps. En cas de problème, tu sais que la torche, ça disait que ça peut énerver selon le type de fantôme que c'est. Il y en a où ça va marcher, il y en a d'autres qui vont pas kiffer, je crois. Ah enfin, oui, il y en a aucun qui kiffe, mais dans tous les cas, il y en a où ça marche pas, tu sais. C'est problématique, ça. Ouais. Non, mais tu veux pas. Ah, tu sais qu'il y a un autre truc qui me fait peur. Vas-y. Parce que là, on utilise des items, si ça se trouve, on en aura besoin pour la capturer à la fin. On sait même pas ce qu'on aura besoin pour capturer. Ah, mais c'est pas juste ça pour la capturer? Je pense qu'il faut savoir ce que c'est, donc il doit y avoir une manip à la fin. Hein. On verra, mais. Ah merde. Est-ce que tu veux reprendre ça pour écouter? Oui. Je te relaisse passer devant, fais un tour de rôle. Comment je jette ça? Comme ça. Moi j'ai envie de prendre ça. En plus. Ah pour la flash? Ouais. Tu vas tellement l'énerver en faisant ça. Tu crois que ça l'énerve? Si tu l'énerves, mais j'avoue elle va gronder au moins si tu l'énerves et on aura une vraie info. Vas-y vas-y go. Vas-y en vrai bonne idée je pense. Elle fait des fake courir. Oh mais attends elle est déjà là? Ah non ça c'est la phase normale mais tu sais que ça peut nous flash aussi hein. Allez écoute bien, au moment où elle va être flash il y aura peut-être un son. Donc écoute bien. Tu vois c'est quoi ce bruit? C'est des pleurs ça? Alors tu sois sûr. Oh c'est les petites... Elle a rien fait? Non, j'entends rien. C'est vrai parce que dans on la flash. Oui. Dis-moi. Bah, je suis pas sûr, ouais. J'ai cru entendre gronder mais je suis pas sûr que c'était vraiment pile à l'instant que t'as parlé genre. Ah, oh, mince. J'ai ma caméra qui se floute. En fait, pile au moment où on la flash, après il y a le truc pour l'apaiser, genre on l'énerve, on l'apaise en même temps. C'est quoi ce bordel, on comprend. Est-ce que tu veux qu'on parte du principe, parce que là on a un peu de mal à la voir, on part du principe par exemple qu'elle a grondé, on dit que c'est agressif, donc ouais. Ça ferait la femme noyée, moyenne, agressif, et on essaie d'attraper le fantôme pour ça voir. Ça m'étonne pas, elle a l'air super méchante. Sinon je fais encyclopédie et j'essaie de voir récepteur radio. Ils aiment bien communiquer avec les chasseurs par le biais de radio, Ils pouvaient entendre un pleur ou un grognement. Ouais mais ils nous disent pas à quel moment en fait, ça aide pas plus que ça quoi. Fantôme. Après, elle part toujours dans le couloir du fond, là où on l'a chopé tout à l'heure, donc peut-être... Ah si, on peut parler en fait. Ah. Si, on peut parler au fantôme dans le jeu en fait. Ah merde. Ok, c'est comme du Phasmo alors. Mais en fait, pareil, ça c'était pas du tout expliqué, donc on le voit que là-dedans, ouais. Alors, est-ce que ça va aider à ce qu'il parle? Mais attends, la lumière n'était pas allumée. Certains peuvent avoir des conséquences terribles. Phrase disponible. Ghost, can you talk? Bon, c'est toi qui vas le faire, c'est de l'anglais. Vas-y, mais toi, il faut que tu... Chat vocal, faut que je l'active, du coup. Mais okay. Ouais, alors par contre, comment on parle? Comme ça? C'est V. Tu m'entends dans le jeu ou pas? Non. Ok, mais c'est V, le fantôme m'entendra, je pense. Vas-y, viens. Comme ça, je le... Ah, je t'entends, je t'ai entendu. Là, tu m'entends? Je t'ai entendu parler pendant 2 secondes, à moins que c'était pas toi. Bah, parce que j'ai arrêté d'appuyer sur V, donc ouais, je sais pas trop. Alors attends, moi, je prends quoi, déjà? Je sais plus, moi. Allez, je reprends la spirit. Et une grenade. Moi, je vais essayer de lui parler et...
Oh bah heureusement qu'il y a... Par contre, le wiki est bien fait, mais juste, ouais, si on doit tout lire pour savoir. Attends, la femme noyée, on aura peut-être des infos vu qu'on sait que c'est ça. Attends, juste, Finland. C'est noyé comment? 4 diplômés de l'école, ils sont allés au lac. Bon, ouais, c'est fait noyer et tout, les nuances du comportement. Ah, c'est fait noyer, allez hop. Il aime ouvrir les robinets d'eau. Non, mais moi, je m'en fous, c'est le comportement que je veux voir, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est à la fin. Il aime ouvrir les robinets d'eau, il interagit avec les portes, il déplace des objets à l'intérieur. En vrai, ça peut, hein. Elle a déplacé les cadres. Quand tu vois l'image, c'est totalement elle en plus, hein. Oui, attends, c'est elle en fait l'image. Attends. Ah, quoique, ça peut être le poltergeist aussi, hein, niveau image. Mais je pense que ça peut être elle, ouais. Au moins, c'est elle. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est pareille. Mais j'entends du bruit dans la radio. Ouais, mais elle a grogné ou elle a pleuré? Mais je sais pas. Tu sais, ça fait un bout de son et elle se barre, la connasse. Pardon. Ok, bon, on va retourner sur, du coup, les informations pour les phrases. C'est où que j'ai vu les phrases déjà? Oh non, je sais plus où c'est. La phrase. Âge, humeur. J'ai une activité. J'ai trop peur. Voodoo et la radio peut vous aider. Hein. Ok, bon, les phrases, j'y mets quoi alors? On est friend. On est friend. Donnez-moi un signe. On va vous attraper. Non, non, bah, give me a sign, c'est très bien. Vas-y, donnez-moi un signe. Show yourself, MDR. Non, non. Take a voodoo doll. Oh, comme bah ça, vas-y. Elle va essayer de prendre la voodoo et on va voir si elle apprend ou pas. Parce que ça se trouve, elle n'a pas interagi, mais parce qu'on ne lui a pas dit. Alors, j'espère qu'avec mon accent anglais, ça va passer. Ouais, non, ça passera mieux que moi. Ok, vas-y, go. Ghost ? Ah, mince, attends, c'est pavé. Oh, putain ! Ok, aïe. Il me fait un lit. Mais ça me fait peur, ce truc qu'elle fait, hein. Take a voodoo doll, ok. Ghost, take a voodoo doll. Ghost, take a voodoo doll. Bon, clairement, elle veut pas. Hein. Elle veut pas. On va pas insister. No problème. Hein. No problème. No problème. Do what you want. Ok, on n'insiste pas, ça sert à rien. Attends, on va voir. Mais peut-être qu'il faut que ce soit toi qui ait la spirit dans la main. Can you talk? Ouais, mais là c'était pour la voodoo doll, c'est pour la voodoo de toute manière, donc la poupée voodoo. Je suis tendu comme une arbalète, c'est horrible. En fait, c'est le problème, c'est que pour la spirit, pour pleurer et tout, je peux pas lui dire est-ce que tu peux pleurer ou grogner quoi. Genre, je vais lui dire can you talk ou give us a sign. Can you cry for the talkie? Ça y est, pas dans les phrases. Merde. Ok, bon, can you talk. Faut toujours mettre ghost devant. Je sais pas. C'est là, ouais, apparemment. Ghost. Ghost. Can you talk? Can you talk? Ah bah c'est des pleurs ça, hein, elle chiale hein. Mais attends, elle arrête pas. Bon bah voilà, on a l'info, c'est bien. Mais elle arrête pas. Mais... Allez, on ta gueule Janine. Elle est alarmée. Du coup, on a tout. C'est la femme noyée, moyenne, et alarmée. Et en plus c'est bien une femme dont a priori le son... Alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais allez, on va dire que c'est bon. Donc on va dire, attraper un fantôme maintenant. Attends. Ok. Mais la poupée la vaudou, elle a pas bougé. Donc oui, c'est alarmé. Bah, c'est une interaction aussi, donc je pars du principe que c'est bon. Donc, attraper un fantôme. Ouvrir... Non mais... Ouvrir 5 robinets d'eau. T'as entendu un truc se casser toi aussi? Ouais. Ah, je me sens Obénite. Pas bien. Mais l'eau bénite, c'est sur elle? Non mais on est mort. La bombe d'or, on en a plus. Ah, la bombe d'or, c'est celle que j'ai pété tout à l'heure? Bah ouais, mais on est mort, on peut pas l'attraper quoi. Ah bah ouais, mais bon, on va quand même essayer, on va voir déjà. Ah si regarde ça... en bas, ne protège pas. Du coup le truc qui l'attrape depuis tout à l'heure, ça fait rien. Ah oui. Ah oui, il protège, il y a tout ça. Protège et met en colère. Ah oui, ça c'est bien de préciser. Tu l'as pas je lancé du pas. Sel tout à l'heure? Ah non, tu t'es raté, tu l'as lancé dedans. Ouais non, j'en ai foutu, on peut pas l'attraper. À cause de la bombe d'or. Bah du coup la flash elle est bien. La flash on l'a bien fait. En plus c'est automatique donc c'est très cool. Moi j'ai ce truc là qui protège aussi. Donc moi c'est bien ce que j'ai. Bien, on va quand même essayer d'ouvrir les 5 robinets d'eau pour voir si ça nous met un truc en vert ou quoi. Sachant que attraper un fantôme c'est la dernière étape. La dernière étape c'est avec cet item là mais qui marchera pas tant qu'on n'a pas fait le reste. Ouais, genre, ce qui me fait peur c'est que Obénite et bombe d'or, bah, j'imagine qu'il faut lui envoyer vraiment dessus en plus. Donc, mais si la bombe d'or on l'a plus. C'est foutu aussi. Non mais dans l'idée où on l'aurait. Ah. Bien, on va ouvrir 5 robinets quand même. T'es prête? J'ai aucun item sur moi.
Oh putain. Oh putain. Bon, on va le découvrir très vite ce qui va se passer. Viens vers la flèche, viens vers la flèche. Okay. Tout va bien. Trouve des robinets. On sépare, on allume des robinets, ok? Alors, se séparer, moi, ça n'existe pas chez moi. Oh oh, oh putain! Elle nous invite à Hello. Dîner! Hello! Là-bas, la cuisine, robinet. Hello. I'm friendly! Ok, un robinet. One. Dans une salle de bain à l'étage, j'imagine, mais c'est par sûr. Contre, 5 robinets. Enfin, c'est énorme, 5 robinets. Robinets. Oh ah, putain, j'ai peur! Salle de bain. Ah, ça vole encore ici. Mais vers moi, ça tremble. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est très grand, hein. Je pensais que là, je te colle parce que je suis en panique totale. Oui, je sais. Alors, comme finalement. Attends! 3? 3 robinets. Tu as affaibli le fantôme, ça me dit. Ok, on est à 4 là, avec celui du bas. 3. Bah non, regarde là, j'ai ouvert un objet. Oui. On est à 4 alors. Il nous manque un robinet, j'aimerais bien voir si. En tout cas, ça a l'air de marcher, parce qu'ils disent affaibli. Oh non. J'ai trop peur. Putain, mais elle était à côté. Mais lui en haut. Bah, on est à 5 alors. Bah, c'est d'où le tu as affaibli le fantôme. Parce qu'il y avait celui-là plus les. Oh, ça va péter, ça va péter. Je suis lente. Par contre, il nous le valide pas hein, quand on l'a fait. Hein. Bah, ça te dit tu as affaibli le fantôme. Donc, on a déjà fait une étape, mais le problème c'est que. Ouais, ça doit vouloir dire qu'on a fait l'étape, j'avoue. Ouais, c'est sûr et certain. L'eau bénite, c'est ça. Je m'en occupe. Ah, ouais, c'est. Attends, c'est. Tu l'as. Ouais, l'eau bénite, j'ai. Ah, on ouais. Va vérifier si ça nous remet un truc en mode tu as affaibli le fantôme, tu vois, si on le fait oui, bien. Oui, oui, j'avoue. Parce que je pense qu'il faut le faire dans l'ordre en plus. Hein. Ah oui, t'es obligé de faire dans l'ordre, je pense, c'est sûr. Regarde, il y a écrit 1, 2. Après, fermez tous les robinets, tu vois. Je suis dégoûté. Ça bug vas-y, sur. Je sais plus les phrases. Tu sais quoi, on va juste mettre I will catch you, un truc comme ça. Ghost. I will catch you. Oh, ouais, en face. Oh putain. Tu l'as fait. Ouais, mais ça a rien dit. Ah non, ça a peut-être raté. Ah, je sais pas si ça a raté ou pas. Parce qu'elle a des pop, mais je sais pas si elle a des pop parce que tu l'as fait. Ouais, bah écoute. Fermez tous les robinets de la maison. Viens, on va fermer les robinets. Je sais que ça va foutre. Hein. Bah écoute, a priori, oui. Ils sont maintenant. Tiens, les voisins, ils alertent personne, sans déconner. À aucun alors, moment, il y a des voisins dans le jeu qui fermé. Sont en mode, il y a des fous. Oula. Vas-y, l'étage maintenant. Ouais. Deux robinets fermés. Oh là là. Là là là. Elle m'a chopé. Elle m'a tué. C'est vrai. Elle m'a tué. I'm dead. Attends, mais ils sont où les autres déjà? Là, là où je suis, voilà, viens. À toi. Fais pas attention, je suis par terre. C'est bon, tout est éteint. Robinet fermé. Mais là, elle revient. Mais je vais mourir de toute façon. De toute façon, il nous manque après un autre truc, mais bon. Ok, bon. Bah, de toute façon, maintenant il nous faut la bombe d'or, donc c'est fini quoi. J'ai eu trop peur. Je vais chercher la petite statuette au pire. Hein. Hop. Histoire de dire qu'on a fait les choses proprement. Hein. C'est dommage. Tu vois, là, il nous oblige. Moi, j'aime bien par contre ce côté-là où il nous oblige quand même à rentrer, tu vois, à la fin en mode bon, de toute manière, ouais. T'es obligé d'y aller pour faire. Pour capturer le fantôme. Ghost, I will catch you. Ah mais là vu comment ça tremble l'image, elle va débarquer. Bah je sais bien. Mais... Non regarde, elle est calmée. Attends mais là elle était dehors ou... Ouais. Bah écoute, je pense que ça va signer la fin pour nous hein, de toute façon. Ouais. C'est... Mais te rends compte. On peut plus rien faire. Est-ce que, si peut-être les... Allumer toutes les bougies de la maison ça fait 100$. Ouvrir tous les robinets de la maison ça fait 50$, on l'a pas fait ça. Bah, on sait pas s'il y avait tous les robinets d'ouvert, on en a ouvert 5, mais on sait pas si c'était tous. Éviter 3 fois une attaque avec la statuette. Utiliser regarde le parfum sur le PC si t'as de la thune. Ce serait incroyable parfum, si t'avais de la thune sur non, le PC. Non, j'en ai pas justement. Ah. Ouais, ça aurait pu être intéressant effectivement de faire ça. Et avec c'est l'argent, de ma faute, hein. Coup, c'est moi qui ai pété la bombe d'or. Bah, avec l'argent, j'aurais pu peut-être racheter une bombe ou un truc comme ça en plus. Elle est où la bombe d'or?
C'est moi qui l'ai pété. Non, mais à l'achat. Ah. Je pense qu'on peut souligner un truc qui est intéressant aussi pour les gens qui regardent. Je vois même pas là. Ah si, elle est là, 30$ en vrai, ouais. C'est quand même chiant au début d'acheter ça. Le fait qu'apparemment, lorsqu'on va capturer des fantômes, on a une galerie en fait dans le lobby du jeu. Ouais. Et du coup, chaque type de fantôme, j'imagine qu'on va capturer, on va pouvoir les enfermer dans une... qu'on appelle ça. J'allais dans des bocaux, dans mais non. Quoi, genre, ouais, c'est des bocaux géants, quoi. Genre des genres de cryos, en fait. Mais ouais, pour c'est fantômes, ça. Quoi, finalement. Mais du coup, ouais, ça permettra d'avoir un genre d'achievement pour checker les fantômes qu'on a eu et tout. Je trouve l'idée sympa, même si bon. C'est notre petit Ghostpedia, quoi, mais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu veux te faire choper par elle pour voir ce que ça fait ? Hello ! Hello ! Ouais, bah ouais, j'aimerais bien. Elle fait flipper, hein. En plus, c'était celle que je voulais pas, je t'ai dit, il y en a une, elle me fait trop peur, et bah fallait que ce soit elle. I am friendly. I am friendly. Elle crie hein, quand elle te chope, hein, je préfère te prévenir. Bah, j'ai entendu crier même quand j'étais loin. Ah ouais ? Enfin, loin, j'étais pas si loin, mais je l'ai entendu crier. C'est pas que celui qui se fait choper comme ah, en face de moi. Ah, je pensais que t'entendais. Attends, mais tu sais quoi ? Je vais tenter tous les robinets du coup. Oui, ah, essaie. Les bougies aussi, j'aurais pu faire en même temps. Ah, vas-y, attends, je vais reprendre un briquet, je vais tenter bougie. Mais tu sais que toi, t'as un crack, hein. C'est incroyable de faire des aventures comme ça à tes côtés. Hein. C'est fou. Hein. C'est toi, tu n'as. Ouais. Oh, il y a un beau jardin avec un barbecue. Écoute, c'est sympa l'aventure avec toi aussi. Ah, merci. Alors, je passe mon temps. C'est toujours marrant d'entendre des gens hurler. Que le fantôme. Mais j'ai pas de courage, moi, c'est horrible. Tu sais que là, j'ai une migraine juste parce que j'avais les yeux méga plissés. Ah, mais du coup, on n'avait pas tout éteint ici. Donc, on avait manqué une étape parce qu'on n'avait pas éteint ici. Ah, mais oui, mais tu sais pourquoi on n'avait pas tout éteint ? Parce que elle a allumé aussi des robinets, je crois. Ah, c'est vrai. Eh ouais. Can you help me to... comment on dit ? Open the robinet, please. Bon, alors, robinet en anglais, je suis pas sûr. Robinet, please. C'est quoi, en fait, presque. Ça, on va mettre là, ça peut peut-être me défendre un peu, on sait jamais. Je sais pas si en tant que fantôme, elle peut me rechoper. Quoi ? Ah, mais t'es en fantôme, là, du coup ? Ouais, je te suis. Enfin, je suis en fantôme, ouais. Je vois en noir et blanc et je te suis, quoi. Oh ! Putain ! Ouais, mon image se brouille. Il y avait un autre... Ok. Oh oh. C'est toi qui as allumé le robinet ? Oh là. J'ai un briquet ! Je vais pas hésiter à m'en servir, d'accord ? Ah mais je crois qu'elle veut juste que je sorte là, non ? Ah non, mais non, pas du tout, je suis carrément au basement. Oh ! Il y a un basement devenu, dans le en jeu ? Mode franglais, ça y est. Ah mais ouais, mais... J'avoue que par contre, il fait quand même beaucoup plus flipper qu'en Phasmo, et je reconnais que par contre, jouer tout seul à ça, c'est plus compliqué, je pense. Ah oh, ouais. Elle m'a allumé. Ah, mais en fait, elle non, veut que je vive avec elle. Mais il est où le basement ? Bah là en dessous là. Et bah merci de m'aider. Mais ouais, plus stressant, plus. Après je pense qu'on. Même en tant que fantôme, ouais, t'as peur parce qu'elle me chuchote dans les oreilles là. Ouais, non, c'est pas mal. Après j'aimerais vraiment bah, arriver à tester de la capture un petit peu. J'ai entendu des clochettes. Ah, je crois que j'ai validé une quête, j'ai entendu un bruit. Ah ? Pas un bruit en mode j'ai validé une quête là. Et j'ai ah, vas-y, je vais aller voir au camion. Je vais aller voir, ouais. J'ai peut-être fait les. Je sais pas, vu que je vois en noir et blanc, je sais pas s'il y a une couleur ou quoi. Ouais. 50$. Je les ai. Eh ben bravo. Donc là, techniquement. Ouais, mais l'eau bénite, il m'a pas dit. Mais repars alors, faut prendre la thune. Mais tu sais que l'eau bénite. Ah, mais tu crois là, si je meurs, j'ai pas la thune ? Ah, bah je pense hein, que c'est du coup mission échouée, t'es mort. Ah. Ah bah moi c'est ça pour moi. Ah mais il y a les bougies encore allumées. Ah chiant. Mais là ne tente pas le diable. Il y a 100$ pour les bougies. Ouais, 100$ les faire, bon. Tant qu'elle est pas énervée au début en fait. Ça je pense qu'il faut le faire au début de ces missions. Fais bon, éloignez-vous. Ah moi je suis 0 pièce et toi ? Ouais moi aussi. Quoi ? Vous êtes parti 0 pièce. J'ai déverrouillé un dans succès, je vole à la maison. Dans le portefeuille 50. Attends, c'est pas la même chose du coup. Ah. Dans le portefeuille t'as rien toi ? Ah si j'ai 50. Toi aussi ? Ouais. Main Minou. Oh. Ah, parce que ça m'a tout fait quitter. Ouais. Ah oui, j'ai 50 maintenant. Donc, même si je suis morte, t'as réussi à. Quand tu retournes dans le menu, en fait, tu vois ton personnage en haut à droite et à côté, ah, t'as ouais. De la thune. Bon, voilà. C'est bah, incroyable. Écoute, pour une découverte sympa, après, j'aimerais bien arriver à capturer un fantôme.
C'est un peu comme dans l'autre jeu, là, Ghost, je sais plus quoi, là, pas Phasmo du coup, Ghost mais celui Exile, on capture aussi. Ou Ghost Hunter, c'est toujours un peu le même truc, c'est qu'au début tu sais pas vraiment si t'as bien fait les actions, donc si t'es sur la bonne voie pour capturer ou pas, un peu compliqué de savoir. Même si au début il nous a dit qu'on avait affaibli, donc je pense que l'eau ça a dû marcher, mais je me demande si l'eau bénite, j'ai pas loupé du coup, puisqu'il m'a rien dit quoi. C'est ça en fait, ensuite, ça a marqué, pas vous l'avez tout enlevé non plus. Et après ça a pu en marquer. Ouais, mais t'en penses quoi toi du jeu du coup? Mais franchement le jeu il est trop bien. Moi je trouve le jeu, et encore on a fait qu'une seule map, la maison qui quand même est grande, parce que je savais même pas qu'il y avait un basement sur cette maison. Mais ouais, peut-être qu'il y a, bah, il y a 3 ou 4 maps, je sais pas, parce que la 4ème je crois que c'est la base de formation aussi, mais je crois qu'il y a 3 maps du coup. Il y a un commissariat et... Une école. Et une école, ouais, merci. Et non, franchement le jeu est trop bien, j'ai hâte de refaire une autre partie pour essayer de capturer un fantôme et de pas jeter ma grenade en or là. Ce serait très bien. Oui, mais déjà, en fait, ouais, il faut économiser, je pense, ces items tant qu'on sait pas. Il faut utiliser que les trucs automatiques au pire au début.